Encore dans le noir. T'as pas le sentiment d'être répétée un peu, ma chérie? Ça fait plus de 2 mois que tu restes assis dans cette pièce toute la journée. C'est très bien que j'ai besoin d'être dans le noir pour écrire. Le noir, ça me nourrit. C'est drôle, ça. En attendant, il va te falloir autre chose que le noir pour te nourrir. Sandrine va t'apporter ton plateau. Heureusement qu'on l'a, celle-là. Sandrine, toujours Sandrine. Tu me l'agaces avec elle. Sandrine par-ci, Sandrine par-là. Mais elle a rien d'exceptionnel, cette fille. Enfin... Écoute, mon amour, trouver quelqu'un de sérieux qui bosse bien et qui accepte en plus de faire la cuisine, ça mérite un léger sourire. On en est à la 3e depuis le début de l'année. Alors, t'es gentil, si l'inspiration ne vient pas, te passe pas les nerfs sur une pauvre innocente. Cette pauvre innocente, en contrepartie, on la paie, mon amour. Bon, j'y vais. Faut bien qu'il y en ait un qui bosse. Bosser. Comme si que t'en avais besoin. Tu sais très bien que c'est une question de principe. Je ne veux pas dépendre de toi. Ça te ferait trop plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes encore dans le noir? Vous savez, je suis pas sûre que ça soit très bon de rester comme ça toute la journée. Ma femme a dit à peu près la même chose tous les jours. Eh ben, vous voyez. Oui, je vois que vous êtes toutes les deux d'accord. Bah, de toute façon, vous allez refermer une fois que je serai partie. On peut rien vous cacher. Ça vous stimule vraiment, l'obscurité? Oui, ça m'aide surtout à me concentrer, ouais. Bah, vous voyez, moi, c'est exactement le contraire. J'aime bien voir les choses, clairement. Mais si vous préférez les rideaux fermés... Oui, merci. Ouais. Hop. Et voilà. Appelez-moi si vous avez besoin. Ça va? Oui, ça va. Mais j'ai des crampes d'estomac, hein, quand même. Encore? Ça m'étonne pas, c'est la première fois que tu te prends autant la tête sur ce bouquin. On peut pas écrire n'importe quoi. Lis le journal pour t'inspirer. De toute façon, ça sera encore un succès comme tous les autres. Le succès est un poison qui ne doit être pris que tard dans la vie. Et encore à petite dose. Et ça, on connaît. Je suis sûr que c'est à cause d'elle que j'ai des crampes. À cause d'elle? Sandrine. Oh, mais arrête, c'est pénible à la fin. Je sais pas, elle me met mal à l'aise, cette femme. Toujours en train de minauder, là. Plus ou moins celle d'avant? Non, mais l'autre, c'était pas pareil. Et pourquoi? Ben, l'autre, elle me filait pas des crampes. Elle, c'est pire. Mon amour. Ta parano, c'est très sympa quand tu la mets dans tes bouquins. Mais là, ça commence vraiment à devenir ennuyeux. Oui, mais attends, mais... Non, mais rien du tout. La dernière, tu l'as virée parce que tu pensais qu'elle te volait. Celle d'avant, je sais même plus pourquoi. Mais elle était vachement bizarre, quand même. Non, ce qui est bizarre, c'est qu'elle nous ait pas envoyé devant les tribunaux en portant plainte. On en a une qui est formidable. Alors maintenant, on ne vire plus personne. Ouais, je file.
Bonjour, monsieur. Bonjour, Sandrine. Toujours dans le noir, à ce que je vois? Toujours. Et votre roman, ça avance? Comme vous le voyez. Vous savez, tous les romanciers ont besoin d'évasion, parfois, de partir ailleurs, se ressourcer. Il y a surtout besoin qu'on nous laisse travailler, Sandrine. Je vous demande pardon, je voulais pas vous importuner. Peut-être que vous avez juste besoin de prendre du recul sur vos histoires. Après tout, Aristote dit que le récit peut servir de catharsis à son auteur aussi bien qu'à son lecteur. Il vous manque peut-être une approche inédite de la mimésis. Je vous laisse. Buvez votre café, c'est bon pour vos ménages. Ça va pas, toi? Si, si, ça va, t'inquiète. Tu veux pas que j'appelle un médecin? Non, ça va passer. Avec toi, on sait jamais s'il faut appeler le Samu ou te foutre une fessée. Non, une fessée. Bon, je vais plutôt demander à Sandrine d'aller t'acheter du Deleuze-Passemine. Tu sais, elle est pas si antipathique que ça, finalement. La Sandrine. Mais elle est bizarre quand même. Et cultivée en plus de ça. Tu sais d'où elle sort? Je sais pas moi. T'as qu'à regarder son CV. Si tu veux l'épouser, c'est mieux. Bonjour. Bonjour madame, c'est Vincent Pelletier à l'appareil. Je vous appelle car en fait ma femme a engagé quelqu'un de chez vous le mois dernier. Madame Dumont. Oui, 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 attendez, je regarde. Oui, oui, tout à fait. Vous avez un problème avec madame Dumont? Non, 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 au contraire, non, non, on est très contents. On la trouve même remarquable. En fait, on se demande comme elle est surqualifiée pour ce travail. Vous savez peut-être si elle en attend d'un autre emploi plus intéressant? Non, non, pas du tout. Ça fait des années qu'elle travaille chez nous. Elle a longtemps travaillé chez un monsieur avant vous. D'accord. C'est une terrible histoire d'ailleurs. Enfin, j'ose même pas le dire, le pauvre homme a été retrouvé empoisonné. Quoi? C'est madame Dumont elle-même qui a retrouvé le corps, vous vous rendez compte? Pauvre fille. Ça avait fait la une des journaux à l'époque parce que monsieur était romancier. Monsieur Marchand avait écrit je ne sais combien de romans policiers. Marchand, Joseph Marchand? Oui. Vous le connaissez? Vous voulez savoir autre chose? Merci beaucoup, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Et vous? Bah, je suis très heureuse, vous êtes plus dans le noir. C'est quand même moins tristounet. Un peu moins intime et moins tristounet. Oui, oui, c'est ça, c'est moins tristounet, oui. Mangez les madeleines tant qu'elles sont chaudes. J'ai rajouté un petit peu de cannelle dessus, vous me direz ce que vous en pensez.
L'ours sort de sa tanière. Oui, l'ours sort de sa tanière. Et j'ai besoin de toi en plus. Eh ben, Emmanuel, t'écoute. Bon, t'écoute, hein. Tu me prends en sérieux. Tu sais, c'est au sujet de Sandrine, celle qui travaille chez nous, là. Ah, ouais, ta femme de ménage. Oui. Elle essaie de te voler tes vieux manuscrits. Mais non, putain, arrête. Non, c'est plus grave que ça, viens. C'est quoi, là? Je suis sûr que là, tu vois, c'est ma vie qui est en jeu, là. Ah, bah, ça change un peu. Celle-là, le tuer. Arrête, déconne pas, putain. Je te jure, j'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Mais t'as toujours des mauvais pressentiments, Vincent. C'est ce qui fait de toi un très bon auteur de polar. Pourquoi ta femme de ménage voudrait ta mort? Tu la baises? T'as promis de divorcer? Ouais, non, je suis sûr qu'elle est lesbienne en plus, cette connasse. Non mais attends, sans déconner, je parle à l'auteur de polar, là. À qui profiterait ta mort? À qui? Je sais pas, moi, à qui, j'en sais rien. Certainement pas à ta femme de ménage. Non, s'il y a quelqu'un qui a intérêt à vouloir te tuer, c'est ta femme. Ma femme, n'importe quoi. À part elle, je vois pas. Elle aurait tous les droits d'auteur. Tu feras moins le malheur quand je serai mort. Je suis sûr, c'est une vraie malade. Genre Cyril Keller qui s'en prend des écrivains de polar. Une obsessionnelle, quoi. Tiens, Joseph Marchand, ça te dit rien? Eh ben, il écrivait des polars aussi. Elle travaillait pour lui, on l'a retrouvé mort. Tu délires complètement, mon vieux. Depuis qu'elle est arrivée, j'ai des crampes d'estomac terribles. Je suis sûr qu'elle veut m'empoisonner. Non, mais attends, t'es bon pour l'asile, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est elle qui t'amène ta bouffe? Ouais, elle me ramène mon petit-déj, mon café, mon thé, des toasts, ses madeleines. D'ailleurs, elle arrête pas de s'en vanter de ces putains de madeleines. Bah tu sais quoi, tu m'en amènes un peu et puis je passerai ça au labo. Mais je te préviens. Attends-toi à une mauvaise nouvelle. J'ai rien trouvé. Bonjour monsieur. Vous avez l'air fatigué. Je n'ai pas très bien dormi. C'est à cause de ce roman? Non, ça va. Je crois que j'ai un début, là. C'est une bonne nouvelle. J'ai hâte de vous lire, en tous les cas. Ça va? Salut. Bon. J'ai tout ce que tu m'as demandé. Et ça, c'est son café. C'est tout? Ouais, c'est tout, ouais. Tu les auras quand, les résultats? Normalement, demain. Ça devrait pas être compliqué à analyser. Connaissant, je suis pas sûr que tu me remercies.
Mais qu'est-ce que tu fais, tu pars? Bah, ça fait à peu près 10 fois que je te le dis. Ah, mais oui, si, c'est vrai, putain. Ah, c'est ce roman-là, ça me prend la tête. Je pars à La Rochelle avec Jean-Louis. On va présenter le projet de la médiathèque. Je sais pas pourquoi tu bosses avec ce mec, il est vraiment con comme un balai. Bah, il est con comme un balai, mais il est efficace, lui. Je t'ai laissé les antidouleurs dans la pharmacie. Et c'est 3 par jour, pas la boîte. Oui, c'est bon, je suis plus un gamin. Bah si. Tu me déposes à la gare? Merci. Alors, écoute, il y avait de l'amatoxine dans les madeleines. La quoi? De l'amatoxine. Bon, à petite dose, ça tue pas quelqu'un du premier coup, mais si t'en prends tous les jours. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Je te l'avais dit, c'est une folle. Tu fais quoi là? J'appelle les flics, tiens. Attends, t'as déjà porté plainte au moins 10 fois. Ça a failli te coûter très cher. Laisse-moi faire. Je vais appeler des potes à moi, ils vont venir l'embarquer discrètement. Si c'est elle, on le saura tout de suite. Et des potes de quoi? De la police scientifique? Ouais, des scientifiques. Et des flics aussi. Puis avec toi, on sait jamais. Mais avec moi quoi? Je crois quand même pas que c'est moi qui fous du poison dans les madeleines, putain! Sandrine n'est pas arrivée? Bah non, depuis que t'es partie, elle est pas revenue. C'est bizarre, hein? Et non, je n'ai pas été désagréable. Aucune nouvelle. J'ai appelé ses employeurs, pas de nouvelles non plus. C'est bizarre de partir comme ça, sans rien dire. Oh bon. On n'est pas dans la tête des gens, hein? Ouais, c'est sûr. Bon, mais j'appellerai demain pour qu'il nous envoie quelqu'un d'autre. Bien sûr. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'il était vraiment formidable. Bah, formidable peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a pas manqué, elle. À me faire bouffer ses putains de madeleines tous les matins, et en plus, elles étaient même pas bonnes. Bah, je te remercie. Ah. C'est moi qui te les prépare depuis des semaines avec amour.